Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc on se retrouve sur la chaîne donc pour l'interview d'Annabelle Crossi. Bonjour Annabelle. Bonjour Sandra et bonjour à tous et à toutes. Alors Annabelle, qui est un coach particulier, elle va vous expliquer comment elle travaille. C'est très très intéressant, c'est très très inspirant. N'est-ce pas Annabelle? Alors oui, avant de commencer quand même, si vous pouvez nous dire ce que tu fais un petit peu. Et ensuite, j'aimerais bien savoir comment tu as fait, quel chemin t'a mené à ça. D'accord. Donc je suis Annabelle Crossi, je suis coach thérapeute et j'accompagne des particuliers et des chefs d'entreprise qui sont en transition, soit en transition de vie professionnelle, hein, ou de vie personnelle, ou qui ont besoin de redonner du sens à leur vie. Voilà. Moi, je les accompagne pour les aider à se reconnecter à leur projet de cœur et à aller, voilà, dans ces projets, comme je le fais aussi pour moi-même, parce que moi aussi, je suis toujours en chemin. Et pour cet accompagnement, ben, j'utilise plusieurs outils. J'utilise le tarot, dont je vais vous reparler après. J'utilise mon tambour chamanique. J'utilise ma voix, les sons, ma médiumnité et ma clairvoyance. Voilà. Alors, pour répondre à la deuxième question, qui est comment c'est venu? Eh bien, c'est un cheminement en fait qui s'est imposé à moi il y a plus de 25 ans maintenant. J'étais alors étudiante à Poitiers et c'est par hasard, pendant que je faisais mes études scientifiques, voilà, autant dire quelque chose de très concret, hein, dans la matière en tout cas, que le tarot a croisé ma route par hasard. J'ai accompagné en fait un ami étudiant du moment dans une librairie ésotérique où lui s'intéressait à la franc-maçonnerie. Bon. Moi, je l'ai suivi parce que les livres, j'adore lire depuis toute petite, toutes sortes de livres. Donc, il m'a dit librairie, j'ai dit, ah oui, allez hop, mais librairie ésotérique, je savais pas ce que c'était, hein. Donc, j'ai découvert ça en allant dans ce lieu. Et dans le lieu, en fait, il y avait une petite affichette qui proposait des ateliers en groupe avec le tarot comme outil de développement personnel. Et ça m'a intriguée, voilà. Donc, j'ai écouté mon intuition. Ça m'a intriguée parce que, pour tout vous dire, ma maman, dans ses tiroirs, elle a des jeux de tarot. Ou elle en a un aussi de Mademoiselle Lenormand, etc. Mais qu'elle a utilisé au cours de sa vie, je veux dire, très ponctuellement, voilà, des tirages pour s'amuser avec les copines. Bon. Donc, voilà, il y avait quelque chose dans le tiroir, en tout cas, chez moi. Et là, ce jour-là, eh bien, j'ai acheté mon premier jeu de tarot, hein, conseillé par le libraire, mes premiers livres expliquant la symbolique du tarot et les tirages, hein, parce que moi j'y connaissais rien, et surtout le plus important, je me suis inscrite en fait à cet atelier de groupe qui a duré pendant 2 ans en fait pendant mes deux dernières années, oui, d'études à Poitiers, une fois par mois en fait j'allais à ce groupe qui a été le début d'un cheminement personnel, mais au départ je savais pas pourquoi j'y allais, hein. Enfin voilà, ah non, mais voilà, c'est la vérité, hein. Ah ouais, ça m'interpelle, hop, j'y vais sans imaginer, hein, Tout ce que que ça ça allait allait donner être derrière. l'arbre qui cache la forêt, comme on dit. C'est ça. D'accord. OK. Ça a commencé comme ça, et puis il se trouve que dans le groupe il y avait Marielle, on était deux à être les plus jeunes, hein, parce qu'à l'époque j'avais 23 ans. Donc voilà, 23 ans, entre guillemets, c'était jeune pour une démarche. Et Marielle, en fait, qui faisait partie du groupe, avait le projet de créer une association pour sociabiliser les personnes. Et quand elle a vu ben, l'intuition que j'avais avec le tarot, elle m'a proposé de faire partie de son association et de venir y faire des rendez-vous individuels pour les personnes où le tarot serait utilisé comme outil psychologique. Sauf que, ben voilà, j'ai dit oui, mais sans être formée ou quoi. Enfin, bon, ben, c'est que ça s'est fait comme ça. Hein, voilà. Et donc, l'association s'est créée à la fin de mes études. Et moi, je suis partie travailler à Paris. Et donc, concrètement, une fois par mois, je revenais à Poitiers pour faire voilà, des entretiens individuels pour les adhérents de l'association. Où c'était, ben voilà, c'était l'expérience. Voilà. Et Là, c'était dis-moi, l'expérience.
Petite curiosité, tu as fait quoi comme études et ensuite tu travaillais dans quoi? Alors, mes études, ma formation initiale, en fait, j'ai fait une formation qui s'appelle le génie physiologique, où on allie l'informatique et la pharmacologie, en fait, appliquée. Donc, à un niveau ingénieur, à la faculté de Poitiers. Donc, c'est pour ça que j'ai quelque chose de très scientifique, très concret. Et d'ailleurs, bah, mon premier poste professionnel, j'étais gestionnaire de base de données pour les essais cliniques dans l'industrie pharmaceutique. Oui, mais ça a été important de faire cette expérience parce que c'était dans le concret de la matière. Enfin, voilà. Et ça a été bien aussi, moi, pour m'ancrer. En fait, pour m'ancrer dans la vie, dans la vie active aussi. Moi, j'étais jeune diplômée. Voilà, j'ai eu le poste. Bah, j'avais à peine passé mon diplôme que j'avais déjà l'offre de poste avec le salaire, voire plus que ce que je voulais. Enfin, fou, là, je me posais pas de questions. C'est allez, go, go, on y va. Bien sûr, bien sûr. Normal. D'accord. Et donc, ensuite, par rapport à ton cheminement, j'ai envie de dire parallèle plus ou moins à ton métier, en fait, ça comment ça s'est installé petit à petit dans ta vie? Eh bien, en fait, donc, comme je vous le disais, voilà, pendant 5 ans que j'ai occupé ce poste à Paris, je venais une fois par mois, hein, à Poitiers, voilà, pour faire des entretiens. Et du coup, il y avait un intérêt, ça éveillait un intérêt pour moi au niveau de la psychologie, des relations humaines. Et donc, je suis allée suivre les cours du CNAM. Le CNAM proposait des cours de psychologie générale pour des personnes, voilà, qui n'avaient pas. Alors, j'étais motivée hein, parce que je bossais bah, la semaine, voilà, j'avais du lundi au vendredi, comme beaucoup de personnes. Et les cours étaient le samedi matin. Donc, tous les samedis matin, j'ai fait ça pendant 1 an, sans forcément valider les modules. Ce n'était pas forcément le fait de valider des modules qui m'intéressaient. Je cherchais quelque chose, mais je ne savais pas quoi. En tout cas, ce n'est pas dans la psychologie que j'ai trouvé mes réponses. Parce que ça me ramenait au côté scientifique. Bon, certes, c'était intéressant d'étudier le développement neuropsychologique de la naissance à 2 ans, enfin voilà, mais j'avais l'impression, enfin, je refaisais des sciences. Et je me disais, mais c'est pas ça que je cherche, mais je savais pas quoi. Et ça, voilà, ça, donc je me suis, comme j'étais à Paris à ce moment-là, j'ai été aussi à des conférences. Ah, je me suis intéressée à plein de choses, voilà, du développement. Je suis allée voir Lise Bourbeau qui passait à Paris à ce moment-là. Donc voilà, je m'ouvrais l'esprit à d'autres approches. Et c'est en l'an 2000, donc 4 ans après ma prise de poste, que j'ai assisté à la conférence de Simone Bernau, qui parlait du tarot, mais avec l'approche de la psychologie jungienne. Et là, je me suis dit, ah ben là, ça me parle. Voilà, là, ça fait écho en moi. Donc, c'est auprès d'elle, en fait, que je me suis formée pendant 2 ans, une année avec l'approche de la psychologie jungienne et l'analyse de rêve, voilà, avec le tarot. Et d'ailleurs, Jung, voilà, hein, parle du tarot avec ses archétypes dans l'inconscient collectif. Hein, et j'ai fait une deuxième année avec elle sur le langage et la symbolique du tarot, en fait. Une Pour sacrée formation, finalement quand prendre même, conscience, pour finalement prendre conscience, vous vous hein? rendez compte, parce que en fait, la fin de ma formation en tarot correspondait en fait à mon premier virage professionnel où j'ai quitté l'industrie pharmaceutique et je me suis réorientée dans l'accompagnement professionnel, qui était déjà pour moi un premier pas pour aller vers un poste où la relation humaine était beaucoup plus importante. Parce que la gestion de base de données, certes, il y avait un côté intéressant, mais une fois que toutes les données étaient bien carrées, bien rangées, ben, je m'ennuyais. Bien Enfin, sûr. voilà, il me manquait quelque chose, ouais. Il te manquait l'aspect humain, apparemment. Oui, le côté relationnel. Alors, même si dans mon poste, j'avais quand même un poste de coordination, il y avait ce côté humain. Mais ma matière première, entre guillemets, c'était des données, c'était, voilà. Les bases de données, voilà, c'était quelque chose, c'était le un cadre très strict, il vaut mieux parce que comme c'est soumis à une réglementation, c'est sûr que Et oui. Quand tu dis que tu as travaillé dans l'accompagnement professionnel, donc tu travaillais dans l'insertion professionnelle, tra la oui, c'est transition. ça. J'ai fait une formation de reconversion, eh bien, à la faculté de Nanterre. J'étais à Paris encore à ce moment-là.
Hein, voilà, un master en gestion de carrière, bilan de compétences, et VAE, voilà, formation pour adultes. Et là, j'ai osé dans mon mémoire de recherche parler du tarot comme outil de connaissance de soi en l'amenant sous l'angle de l'analyse de rêve, parce que j'avais choisi d'écrire un mémoire sur le thème la connaissance de soi, une étape nécessaire à une fonction d'accompagnement. En tout cas, c'était ma vision des choses. Café. Et dans la partie, comment dire, la connaissance de soi, j'ai amené le tarot sous l'angle analyse de rêve, voilà, qui peut être un outil de connaissance de soi. C'est énorme quand même, hein? Tu as osé. Ah ben, c'est sûr que j'ai pris des risques, hein, dans le sens où le mémoire, c'était 50% de la note, hein, voilà, dans le concret. Donc j'ai osé. D'ailleurs, le directeur à la formation me l'a dit, c'est les premiers mots qu'il m'a dit quand je suis allée présenter mon mémoire. Il m'a dit, ben, vous êtes gonflé, vous, hein. Aïe. Il m'a demandé si je connaissais le tarot iranien, parce que lui était d'origine iranienne. Alors je lui ai dit, ben non, celui-là, je ne le connais pas. Et puis hop, ensuite, on est passé aux questions, on va dire, plus classiques, et mon diplôme a été validé. Super. Super, Donc, super. bon, voilà. Et Très puis, au fur et à intéressant. mesure du temps, là, voilà, on arrive dans les années 2002. En fait, au fur et à mesure du temps, donc, en parallèle, hein, de mes postes salariés, voilà, je faisais des tirages pour les copines, pour les copains. Et en fait, eh bien, c'est ma clairvoyance, en fait, qui est venue toute seule. Enfin, dans le sens où je ne me suis pas formée à ah, comment on fait pour avoir des flashs. Non, Oui. c'est venu à moi. Voilà. Ça s'est imposé à moi. Alors, j'ai appris à décoder toutes ces sensations que j'avais. Hein, Bien voilà, sûr. j'ai ça. Et puis, eh bien, voilà, c'est en tout cas le constat que je fais. Même encore aujourd'hui, hein, c'est que plus j'avance sur moi, Oui. voilà, et bien plus mon intuition, mes ressentis, etc., s'affinent comme un laser, aussi bien pour moi que pour les autres. Voilà, le seul constat que je fais. Bah, de toute façon, les choses, elles partent toujours de soi, donc. Oui. Voilà, donc quand on a fait un travail, alors moi j'aime bien dire un travail de nettoyage et de dépoussiérage suffisamment important, parce qu'on n'a jamais vraiment fini, mais voilà, il y a quand même une base. Bah, du coup, les choses arrivent, s'alignent, et puis là, on est là, ah oui, hein, je peux faire ça, hein, je peux faire ci, hein, qu'est-ce qui se passe? Forcément, on s'aligne à soi, donc la magie opère. Ah C'est ben, passé tout à pour fait, toi? oui. Et c'est pour ça que je dis, ça s'est imposé à moi, parce que ben, même encore aujourd'hui, hein, voilà, je ne dis pas, ah oh, tiens, j'ai envie d'avoir un flash. Non. Enfin, voilà, ça vient ou ça vient pas. Parfois, j'ai des flashs, même quand je ne suis pas en consultation. Alors, j'ai appris aussi, comment dire, à canaliser cette intuition en demandant en fait à la personne en face, surtout quand je suis pas en consultation, hein, parce que Oui. si la personne est en consultation, c'est qu'elle est en attente de conseils ou de réponses, donc le cadre Oui. n'est pas le même. Mais quand je suis en dehors des consultations, j'ai appris à demander ou à dire, ah, je viens d'avoir une intuition ou un ressenti là par rapport à ce que tu me dis, est-ce que tu as envie de l'entendre ou pas? Parce qu'au départ, ça me surprenait tout le monde que poum, je le sortais direct. Et parfois, ça surprenait parce que la personne en face, elle n'était pas demandeuse, en fait. C'est ça. Ben oui, j'ai appris aussi. Hein, Bien sûr, bien parce sûr. que parfois, l'information que je recevais était tellement précise et alors que la personne ne m'avait pas du tout parlé de ce projet-là, quoi. Enfin, donc voilà. Donc, ça pouvait décontenancer. Oui, j'imagine bien. Alors moi, ce que j'aimerais savoir maintenant, c'est Oui. comment tu utilises les tarots et comment tu travailles, quelles sont tes techniques un petit peu pour accompagner et coacher les entrepreneurs. Alors, moi, j'utilise donc mon ressenti hein, qui s'est expansé. C'est-à-dire que parfois, quand j'ai confirmation que c'est le bon chemin pour la personne, fou, physiquement, je le ressens à travers mon corps. Voilà. Depuis quelques années, c'est comme ça. Et j'utilise comme méthode de tirage, mais aussi comme méthode concrète, eh bien, je m'appuie sur la structure du bagua. Le bagua est utilisé en feng shui, hein, c'est l'outil, l'octogone, hein, c'est voilà, un octogone, c'est-à-dire huit côtés plus une zone centrale
qui est utilisée en feng shui traditionnel. Et moi, en fait, j'utilise la structure des 9 zones, c'est mon support de tirage, en fait. Et ça, c'est quelque chose que je fais depuis bientôt, oh, oui, bientôt 20 ans. J'ai suivi des week-ends d'initiation au feng shui, voilà, avec une approche de l'école de la femme. Et ça m'intriguait de découvrir la relation entre l'équilibre intérieur et puis notre habitation. Voilà, alors j'avais rigolé, je peux vous dire, le jour à l'initiation au feng shui, ou quand je suis rentrée chez moi, j'ai vu que dans ma zone amour, c'est là que j'avais mis la poubelle. Je me suis dit, bon, je vais peut-être déplacer la poubelle. Aïe, aïe, Et puis, ben oui, mais bon, voilà, hein, c'est des prises de conscience. Et en fait, c'est grâce à l'ami d'un couple d'amis à qui je partageais mon enthousiasme, je venais de découvrir le feng shui, voilà, être initiée au feng shui. Et c'est une amie, voilà, je me souviens plus de son prénom, mais bon, je la remercie parce que c'est elle qui m'a demandé spontanément, ah, ben tu voudrais pas venir faire une consultation feng shui chez moi parce qu'il y a une pièce, j'arrive pas à la ranger, tout ça. Alors moi, en toute honnêteté, et c'est encore vrai aujourd'hui, je ne suis pas une experte en feng shui. Hein, voilà, ça c'est la vérité. Par contre, j'utilise ce que j'appelle le feng shui intuitif, c'est-à-dire, voilà, le bon sens et ce que je vais ressentir. Alors donc, je lui ai proposé à cette personne, eh ben, je lui ai proposé un forfait. Voilà, je lui ai dit, écoute, ce qui me vient là, voilà, ça, la prestation elle s'est créée dans les 30 secondes. Je lui ai dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller faire le bilan de ta maison intérieure, dans ton intérieur à toi. Donc je lui ai dit, ben voilà, et pour ça, donc j'ai emmené un jeu de cartes, etc. J'ai utilisé ben, la méthode de projection, voilà, c'était une approche thérapeutique. Hein, on a exploré les 9 zones de sa vie à elle, en repérant une zone dans laquelle il y avait effectivement un big blocage émotionnel, voilà, que j'ai levé. Et en fait, avant d'arriver chez elle, en montant les escaliers, voilà, ben là j'ai eu un flash. Voilà, c'était la première fois que j'allais chez elle. Et j'ai eu un flash et qui me disait que le problème, il était quand on rentrait dans l'appartement, c'était la pièce qui était sur la droite. Voilà, quand on rentrait à droite. Donc j'arrive et je vérifie. Je dis, qu'est-ce que c'est que cette pièce-là? Et elle me dit, ah ben c'est justement la pièce pour laquelle je t'ai fait venir. Alors, je me suis dit, tiens, confirmation. Et en fait, en faisant ce bilan, voilà, en utilisant cette structure des 9 zones, etc., et en faisant un bilan de sa vie à elle, il y avait une zone où il y avait un gros blocage énergétique, en particulier dans la relation avec son papa, etc. Et quand j'ai appliqué, en fait, le feng shui, enfin le bagua de sa maison intérieure à son appartement, donc à l'habitation extérieure, et ben boum, ça switchait en fait avec la zone, ça correspondait à la pièce qu'elle avait du mal à ranger. Et là, je me suis dit, ah ben là, il y a un truc quand même. Hein. Enfin, voilà, ça m'a interpellée. Et puis ensuite, le reste du temps, et bien on est passé dans chaque pièce où j'ai utilisé mon bon sens et ce que je ressentais. Voilà, pour l'inviter à transformer sa vie. Ouais, j'ai passé 3 heures. Hein. Enfin, voilà, dans le concret, j'ai passé 3 heures chez elle. Et cette personne, en fait, m'a rappelé 15 jours après en me disant, bah, écoute, Annabelle, je n'ai pas pu te rappeler avant parce que suite à ton passage, j'ai été malade. Alors, j'ai dit, bon, bah, pour moi, c'est positif. Ça veut dire que Qu'il y a un il y nettoyage. a eu un nettoyage émotionnel, etc., rien que par ma présence, parce qu'à ce moment-là, je ne connaissais pas encore les rituels de purification, enfin, le nettoyage vibratoire d'un lieu, je ne le connaissais pas. Hein. Donc, voilà, c'était instinctif. Et un mois après, en fait, elle m'a rappelé pour m'annoncer qu'elle venait enfin d'avoir sa mutation sur Bordeaux, qu'elle attendait depuis plusieurs années. Donc voilà, donc ça a été waouh, je me suis dit, ah là, il y a quelque chose à aller explorer en fait. Donc c'est très intéressant, mais dis-moi, tu n'as pas répondu à ma question quand même. Ah bon? Non, c'est-à-dire que ma question c'était comment tu accompagnes les entrepreneurs avec ton tarot? Eh bien, en utilisant cette structure du bagua, hein, les 9 zones, qui touchent tous les domaines de la vie, parce que même si mes clients sont à leur compte,
hein, ou qui viennent me voir par rapport à la sphère professionnelle, hein, même si c'est des particuliers, bien, moi, mon intuition va m'aider à capter les fils invisibles, c'est-à-dire quelle est la vraie problématique. Voilà, quel est le vrai nœud inconscient ou énergétique à transformer. Donc, soit j'utilise le tirage général. Oui, donc ce que je vous disais, c'est que donc concrètement, j'utilise donc un tirage général avec les 9 zones qui me permettent d'avoir une vue d'ensemble, la dynamique en fait de là où en est la personne. Et ensuite, s'il y a besoin pour des projets ou des idées plus précises, je vais utiliser le tarot avec 3 cartes, tout simplement. Voilà, plus une carte de conseil. Et s'il y a encore besoin d'aller plus loin, eh bien, je vais utiliser en fait les 9 zones comme outil de constellation. C'est-à-dire, voilà, je mets 9 numéros au sol et là, hop, j'utilise ma médiumnité, j'utilise des petits objets, hein, des petits Playmobil. Et je demande à la personne qu'elle choisisse en fonction de sa problématique. Voilà, un objet qui va symboliser soit la relation à l'argent, soit la relation au conjoint, etc. Et qu'elle me les positionne. Et là, eh bien, concrètement, je me laisse inspirer par ma médiumnité, ma clairvoyance, quand énergétiquement, je sens qu'il y a quelque chose à aller débloquer. C'est à ce moment-là que je peux aussi utiliser mon tambour. Oui. Voilà, pour aider à... aussi à aider à la montée d'âme, hein, ça arrive assez fréquemment, voilà, y a besoin d'aider certaines âmes à aller, à passer à la lumière, voilà, sur un autre plan. Donc voilà, après, c'est comme un voyage intérieur, hein, parce que bien sûr que le système qui est représenté, ça correspond en tout cas à ce qu'il y a dans l'inconscient de la personne. Voilà, et parfois, c'est même des, comment dire, des événements souvent familiaux qui ont causé un stress et qui bloquent énergétiquement, même si la personne n'était pas forcément en lien proche avec cette personne. Hein, D'accord. Voilà. Ok. Et donc, c'est ce qui peut faire créer un blocage au niveau professionnel aussi. Oui. Et bien là, concrètement, j'ai eu une entrepreneuse dernièrement qui avait du mal justement à rayonner, à se développer, à prendre sa place. Donc, je lui ai fait faire cet exercice au sol. Et à un moment donné, je sentais qu'il y avait quelque chose qui coinçait dans la zone, ce qu'on appelle le rayonnement. Voilà. Oui. Et donc, j'ai écouté mon intuition et moi, je suis allée me positionner sur cette zone pour écouter voilà, le message. Et en fait, j'ai eu un flash. Je voyais une scène voilà, dans une forêt avec un fusil de chasse. Et je voyais, alors, je voyais pas en détail, mais l'information que j'avais, c'est qu'un homme avait été tué avec un fusil de chasse dans une forêt. Alors, je donne l'information à la personne qui, au départ, me dit, bah non, ça ne me dit rien. Oui. Alors, bon, par expérience, je sais que si la sensation, elle est là et qu'elle revient, c'est qu'il y a quelque chose. Oui. Et en reposant la question, c'est là qu'elle me dit « Ah, mais si, j'ai un petit cousin, à qui c'est arrivé là ce que tu es en train de me raconter ?» Petit cousin qu'elle ne fréquentait pas, enfin voilà. Mais par contre, elle avait l'information de ce drame qui s'était passé. D'accord. Donc après, ben, concrètement, voilà, j'ai allumé une bougie pour faire monter cette âme dans la lumière et je l'ai accompagnée avec le tambour, voilà, pour D'accord. la lumière et la libérer, en fait. Ok, d'accord. Ok, et au niveau du tarot, donc tu disais, tu poses en fait au niveau de ta figure feng shui, en fait, tu poses des cartes. Voilà, je pose 9 cartes, oui. Dans l'ordre des zones du feng shui, en fait, c'est-à-dire les zones sont numérotées de 1 à 9. Hein, oui, voilà, dans oui. Et donc, la première carte, je la mets sur la zone 1, la deuxième sur la zone 2. Voilà, je suis en fait l'énergie et parfois en constellation. Ce qui m'arrive de faire aux personnes pour terminer en fait la séance, je leur refais traverser les 9 numéros dans l'ordre dans lequel ils sont dans le système. Et énergétiquement, d'accord. Ce que j'ai constaté, hein, parce que c'est une expérimentation, hein, que je fais bien depuis sûr. Plusieurs années,
Eh bien, fou, ça les aide à se réaligner pleinement, ouais. Ok, d'accord. Donc en fait, tu travailles avec eux professionnellement, mais d'abord, tu travailles sur tous les axes de leur vie pour les aider à avancer professionnellement. Oui. Ok. En général, en fait, les professionnels, ils viennent à toi pour quelles problématiques Alors, j'ai généralement deux types de problématiques. La première, c'est, enfin, trois. La première, c'est une activité qui stagne ou qui a du mal à prendre son essor dans son développement. Voilà. Ça, c'est un type de professionnel. Le deuxième type, ce sont des professionnels qui ont une idée d'un nouveau produit ou service. Voilà. Et qui veulent savoir, voilà, quel est le potentiel de développement de cette nouvelle idée ou comment l'inclure en fait dans les activités du moment. Est-ce que c'est le bon moment ou pas? Et souvent à ce moment-là, je me souviens de Chantal qui était venue me voir par rapport à l'idée d'un bracelet olfactif qu'elle voulait créer, hein, parce qu'elle nous avait créé une gamme d'huiles essentielles, avec son mari. Et en fait, quand elle me parle du bracelet, ça, c'était en 2014. Le bracelet, moi, ça ne me dit rien. Voilà, ça ne résonne pas. Alors, je lui dis, hein, je lui dis, écoute, le bracelet, là. Par contre, foum, j'ai eu l'image d'un collier. Je dis, non, c'est un collier d'abord. Alors, comme je lui ai dit, est-ce qu'il s'est révélé vrai dans le temps? C'est-à-dire, le bracelet, tu vas peut-être le faire, mais la priorité, ce n'est pas le bracelet, c'est le collier. C'est un collier. Super. Et en fait, 2 ans après, quand je suis venue m'installer dans les Côtes d'Armor, parce qu'elle était installée dans les Côtes d'Armor, et que je l'avais recontactée pour lui dire, ah ben, coucou, je viens m'installer dans le coin. Et elle qui m'a montré, à un moment donné, son mari revenait justement d'un salon et donc ramenait des magnifiques colliers, en fait, sur un portant qu'elle m'a montré. Et elle m'a dit, Annabelle, tu te souviens de ce que tu m'avais dit? Moi, je ne me souviens pas forcément des détails. Bien sûr. Et là, en fait, je voyais un magnifique collier avec un pendentif comme une petite fiole. Et en fait, c'est dans la petite fiole qu'on peut mettre eh bien, l'huile essentielle. D'accord. Ah oui. Voilà, 2 ans après, ils avaient créé un prototype et les colliers étaient commercialisés. C'est super. Et le troisième axe pour les professionnels, et ça vient à moi tout seul parce que c'est le bouche à oreille, hein, c'est quand des professionnels ont le projet de créer ou reprendre une entreprise. Voilà, moi je leur donne des indications concrètes, hein, sur le type, soit le type de reprise, soit le type de personnes qui pourront acheter leur entreprise. Super. Super, super. Comment on te consulte, Annabelle? Tu fonctionnes à distance aussi, en Bien sûr. présentiel? Oui, il y a des clients que je n'ai jamais vus. Donc c'est soit par téléphone, soit eh bien, par Zoom, par Internet, ou soit ben, en présentiel quand c'est possible. Voilà, à Saint-Brieuc, hein, par contre, voilà. Si les gens veulent venir me voir, aujourd'hui c'est à Saint-Brieuc. D'accord. Ok, Voilà. donc en fait, on peut te consulter de partout. Eh bien oui. C'est formidable. Donc, chers téléspectateurs et téléspectatrices, si vous avez besoin donc d'être éclairés par les conseils d'Annabelle Crossi par rapport à votre activité, si vous avez besoin de savoir comment faire, où aller, vers quoi tendre dans votre activité professionnelle d'entrepreneur, n'hésitez pas à la contacter. Vous pourrez la consulter de n'importe où. Et si vous êtes près de Saint-Brieuc, vous aurez la chance de pouvoir le faire en présentiel avec Annabelle. Merci Annabelle pour cette belle interview. Merci Sandra de m'avoir invitée. Merci à tous et à toutes, tous ceux qui écouteront cette vidéo et qui passeront à l'action. Eh oui, tout à fait. Donc, n'hésitez pas à aller retrouver Annabelle. Vous la retrouverez sur notre site internet dans bien-du-6-être.tv, donc sur notre chaîne. Annabelle est désormais partenaire de la chaîne, donc vous aurez régulièrement des chroniques, des vidéos, etc. sur par rapport à
à ce qu'elle va produire, à tous les petits conseils qu'elle va pouvoir vous donner. Et donc, on a hâte de la retrouver sur la chaîne. Donc, n'hésitez pas à aller la retrouver dans notre espace Bon Plan Partenaire, de manière à la retrouver, à retrouver tous ses conseils et astuces et ses coordonnées qui s'affichent en ce moment même sous son image. Je vous dis à très bientôt, chers téléspectateurs, et merci Annabelle encore. À très vite! Merci Sandra, merci à tous et très belle journée à tous. Merci, au revoir. Au revoir.